Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le jeudi 8 juin 2023. Nous recevons ce matin M. Christophe Mouissa, militant de Philippe. Christophe, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, c'est un honneur de nous retrouver encore sur ce plateau de Congo Live Télévision. Nous avons aussi ce plaisir de vous recevoir ce matin pour discuter quelque chose d'actualité. Mais on va s'intéresser beaucoup plus à une question qui est purement internationale, ouais. Parce qu'on a vu en tout cas que les Congos aussi s'intéressent de cette question. La question c'est, nous voulons comprendre les BRICS. On a vu en tout cas la semaine dernière le premier ministre congolais des affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a participé au nom du gouvernement congolais aux discussions qui ont eu lieu en Afrique du Sud. Une réunion qui a réuni en tout cas le premier ministre, ministres des affaires étrangères des pays membres du groupe des BRICS. Alors, s'il faut comprendre d'abord les BRICS, il faut souligner que c'est un groupe en tout cas, des pays comprenant notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. En tout cas, il faut dire que c'est un groupe qui a désormais un poids économique plus important que les G7, donc les 7 pays les plus industrialisés de la planète, selon les données fournies par Accora, Macor, qui est une organisation internationale. Alors, Christophe, on commence, je venais de le dire, qu'est-ce que nous pouvons retenir des groupes des BRICS? Vous savez, les BRICS, comme vous l'avez dit, c'est un groupe de 5 pays qui se sont organisés sur le plan, que ce soit économique, mais également sur le plan de l'évolution du monde, pour voir comment créer un contrepoids au G7 actuellement, parce qu'à l'époque c'était G8, et la Russie s'est vue être exclue de ce groupe de G8, et ils ont resté G7. Le président Vladimir Poutine, grâce à ses démarches, ses négociations avec les autres États, ils ont réussi à se rapprocher des États des pays de Lula da Silva, le Brésil, mais également de Ramaphosa. Depuis 2009, ils ont mis en place ce qu'on a appelé les BRICS. Et aujourd'hui, c'est une organisation qui semble avoir une forte influence, plus que les G7, qui regroupe beaucoup plus les pays occidentaux, dont la politique est décriée à travers le monde. Et nous connaissons, ce n'est pas un secret des polichinelles. Et ce groupe est en train de connaître une certaine ampleur, un certain succès, plus que même les G7. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a une demande de plus de 19 pays qui tentent de se rapprocher de ce groupe de BRICS. Donc nous pouvons conclure qu'au-delà de toutes les démarches qui sont en train d'être menées au niveau du monde, il y a un équilibre qui est en train de se rechercher de part et d'autre. D'une part, les Occidentaux avec leurs grandes organisations, notamment l'OTAN, les G7 et consorts. De l'autre côté, il y a la Russie qui tente de s'organiser avec les autres États du Moyen-Orient, mais également de l'Est. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de vouloir créer ce monde bipolaire entre les États-Unis, chapeauté d'une part par cette organisation des G7 et consorts, et de l'autre côté, la Russie qui tente aussi de graviter d'autres grandes puissances économiques autour de lui pour voir comment est-ce que le monde pourrait connaître cet équilibre en termes économiques, mais également en termes des inégalités sociales. Raison pour laquelle, vous avez vu même notre ministre Lutundula, parce que nous allons revenir sur la question de la RDC, nous avons vu même notre ministre Lutundula participer dans la réunion préparatoire du sommet qui aura lieu, je crois, en Afrique du Sud, où même Vladimir Poutine a déjà émis un mandat d'arrêt contre lui. On ne sait pas s'il saura se déplacer pour arriver en Afrique du Sud. Mais il y a des voix qui se soulèvent contre lui. Est-ce que... Pensez-vous qu'il peut oser? Là, on parle un peu de ça. Il peut oser se déplacer, aller en Afrique du Sud, participer à ce sommet?
Mais Vladimir Poutine ne se reproche de rien. Et je doute fort qu'avec sa puissance économique dans l'organisation, les pays des BRICS peuvent livrer l'un de leurs membres influents pour qu'il aille comparaître au niveau de la CPI. Mais également, en termes de la puissance militaire que possède aujourd'hui la Russie, je doute fort que les pays de la communauté internationale peuvent commettre une telle erreur d'arrêter Poutine s'il est sur l'étranger, premièrement d'un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN. Alors, moi, je pense qu'il pourrait l'attendre dans l'un des pays de l'OTAN pour qu'il soit arrêté. Malgré tout, c'est une intimidation de ma part à l'égard de Vladimir Poutine, mais je sais que ce monde travaille avec les rapports de force. Ils peuvent toujours tenter de le faire et ça risque trop pour l'humanité tout entière. D'accord. Alors, il faut parler également qu'à part les pays membres aujourd'hui de cette organisation, il faut préciser que la réalité, il y a eu des discussions sur d'éventuelles adhésions qui ont eu lieu depuis mai 2022 lors d'une conférence sur les modalités de cette expansion à laquelle ont par exemple participé. Il y a des pays qui veulent par exemple adhérer ou bien disons adhérer à ce groupe. Il y a par exemple l'Égypte, les Émirats arabes, les Émirats. Ouais, il y a même les Nigériens. Il y a l'Indonésie, il y a le Kazakhstan, le Nigeria, le Sénégal et la Thaïlande. Même le Mexique aussi. Voilà. Maintenant, comme on parle de la RDC, bien sûr, Lutundu la prépare à ses assises. Est-ce que la RDC, pensez-vous, qui est a émis aussi un vœu d'adhérer à cette organisation? Bon, vous savez, en matière des relations d'État à État, il n'y a pas d'amitié. Il y a d'abord les intérêts qui comptent, d'une part, et de l'autre côté, il y a les rapports de force. Et à chaque fois que vous voulez adhérer dans une organisation, surtout économique comme celle-là, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que nous voulons y apporter et qu'est-ce que notre peuple va gagner ou notre pays va gagner en général. Malheureusement, pour la République démocratique du Congo, je m'excuse de le dire, on a d'abord un problème d'organisation interne qui ne nous permet pas de nous amener dans de très grandes organisations comme celle-là. Je crains, aujourd'hui, nous sommes un pays stratégiquement bien positionné en Afrique et dans le monde. Toutes les grandes puissances veulent aujourd'hui attirer la RDC dans leurs entreprises ou dans leurs démarches, mais tout dépend de l'organisation interne de la République démocratique du Congo. Mais la formulation des demandes d'intégration dans l'une ou l'autre organisation ne pose pas problème si et seulement si c'est notre peuple qui en sortira profitable, ou d'une part que ce soit l'État qui en sortira responsable. Parce que vous savez, nous faisons partie de plusieurs organisations aujourd'hui. Mais en quoi est-ce que le Congo bénéficie de ces autres organisations? Premièrement, nous faisons partie de la CAC, qui est la Communauté des États de l'Afrique centrale. Nous faisons partie de la CIRGL. Nous faisons partie de la SADC, nous faisons partie des CPGL, nous faisons partie, vous en connaissez. Et aujourd'hui, il y a tout récemment, on a adhéré dans ce qu'on appelle l'East Africa Community, qui est aussi une grande organisation sous-régionale, parce qu'il y en a au moins trois. Il y a la CDAO, il y a l'EAC, la CIRGL, c'est beaucoup plus minime par rapport à l'EAC. Et ce sont ces organisations-là qui permettent quand même un certain poids économique. Mais nous devons nous poser des questions. Est-ce que le Congo sort gagnant dans ces organisations ou pas? Voilà la plus grande question que nous devons nous poser. Est-ce qu'il faut encore rajouter une autre organisation de trop uniquement pour aller figurer et que nous ne trouverons peut-être rien en termes d'intérêt d'État? Voilà un peu des questions. Mais moi, je pense, à mon avis, de telles démarches sont déjà encouragées parce que vous avez vu même le président Vladimir Poutine, le président Tshisekedi se rapproche déjà de la Chine avec la préparation éventuelle des signatures de nouveaux contrats. Et ça permettra quand même aux pays de s'ouvrir. Parce que les pays de la communauté internationale, les pays occidentaux, si je peux les spécifier, nous avons été des alliés avec lui, mais le Congo n'a pas réussi vraiment à se développer ou soit à avoir un poids considérable dans ces organisations. Ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de Congolais restent réticents et même méfiants à l'égard des pays occidentaux. Mais Christophe, c'est quoi
la force de ce groupe de BRICS? Bon, la force de cette organisation, premièrement, sa force, c'est au niveau de cette considération mutuelle des États. Vous savez, ça arrive que dans d'autres pays ou dans d'autres organisations, on prône ce qu'on appelle l'égalité, mais en réalité, il y a toujours des pays plénipotentiaires qui ont une certaine suprématie par rapport aux autres. Mais lorsque vous voyez le fonctionnement de ces BRICS, qui a commencé depuis 2009, alors que les G8 et les autres organisations occidentales ont évolué depuis un peu plus longtemps, mais qu'est-ce qui explique ce refroidissement des pays des organisations occidentales par rapport à cette montée en puissance des pays des BRICS qui aujourd'hui enregistrent plusieurs adhésions, plusieurs volontés des autres pays à intégrer cette organisation. Ça prouve à suffisance qu'il y a quand même un peu du sérieux, il y a de la considération et il y a aussi ces principes de partenariat gagnant-gagnant entre les États qui favorisent ces organisations ou ces pays-là à émerger davantage. Parce que l'Afrique décide. On ne croirait pas qu'un des pays de l'Afrique pouvait se retrouver parmi les puissantes économies. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des économies, mais parce qu'on n'est pas considéré, d'une part. Parce que l'Afrique décide, qui fait partie aujourd'hui des pays, les 20 pays les plus industrialisés au monde, il y a le Nigeria aujourd'hui qui est la plus grande puissance économique en Afrique. Et vous voyez que nous avons quand même des économies. L'Égypte, vous avez la Tunisie et les autres États. À l'époque, c'était la Libye. Et du coup, au vu de ne pas être considéré par les organisations occidentales, ça prouve une certaine méfiance, un certain mépris à l'égard de ces organisations-là, parce que les pays occidentaux pensent qu'ils ont toujours une certaine suprématie avec ces germes colonialistes qu'ils veulent toujours imposer leur veto à l'égard de ces États. Mais la considération d'égalité entre les États avec les pays des BRICS, en tout cas, ça favorise les autres États à vouloir y adhérer et abandonner de l'autre côté les pays occidentaux, ce qui frise aujourd'hui une certaine complicité à l'égard de ces États-là, alors que les pays, comme je l'ai dit, traversent sur base des intérêts. Chaque pays est souverain d'adhérer à une organisation de son choix, là où il voit que son peuple va se retrouver et son pays va essayer un peu de se développer. On parle un peu du cas de la RDC. Vous êtes revenu sur les organisations dans lesquelles le Congo se retrouve fait partie. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui, par exemple, le gouvernement peut décider de se retirer de ces organisations, par exemple, et aller vers les BRICS? Bon, moi je pense que nos autorités, ils ont une réponse appropriée par rapport à ça. Mais en matière de relations internationales, il y a toujours ce qu'on a appelé certaines contraintes d'adhésion. Parce que ça ne dépend pas seulement d'un pays, mais ça dépend de toute la communauté ou de toute la région. Et du coup, vu la considération de chaque État, la position stratégique et géographique de chaque État, à un certain moment, se retrouve dans une contrainte de se retrouver dans une organisation. Parce que, de part et d'autre, on partage des défis, on partage des intérêts, on partage également des opportunités. Et du coup, il y a nécessité, non seulement de se retirer d'une organisation, mais d'adhérer dans une autre. Parce que tous les États sont libres d'adhérer aux organisations de leur choix. Si vous pouvez vouloir entrer dans 10, c'est vous qui allez vous organiser. Si vous voulez vous retirer dans l'une ou l'autre organisation, ça dépend de chaque État. Mais il faut seulement développer la politique de gestion d'appartenance dans chaque organisation. C'est ce qui est très important. Mais si vous trouvez qu'il y a quelque part où vous n'avez pas d'intérêt, mais pourquoi rester en train de figurer simplement dans une organisation où vous n'avez pas d'intérêt, où vous n'avez pas de poids ou de rôle influent à jouer? Et moi, je pense que c'est de là que nous devons réfléchir. Dans toutes les organisations dans lesquelles nous appartenons, dans laquelle nous n'avons pas de poids, dans laquelle où nous ne gagnons pas assez d'intérêt pour notre population ou pour le fonctionnement de nos institutions, dans lesquelles on peut se retirer et c'est tout à fait normal. D'accord. Donc le pays a le choix de se retirer, de se maintenir ou d'adhérer dans une autre organisation de son choix. C'est seulement s'il trouve nécessaire que le pays s'y retrouve. Et est-ce qu'il y a des conditions pour adhérer dans les groupes BRICS? Absolument. Vous savez, dans chaque organisation, il doit toujours avoir des conditions de fonctionnement, les conditions d'adhésion et consorts. Mais ici, si vous prenez tous ces pays qui constituent aujourd'hui les BRICS, ce sont des pays très émergents et qui sont en avancement très rapide de leurs économies. Vous voyez par exemple la puissance démographique aujourd'hui de l'Inde et de la Chine. Les deux États constituent à eux-mêmes
plus, donc les un quart de la population mondiale. C'est-à-dire, si le plan démographique, déjà, vous avez la Chine et l'Inde qui se retrouvent dans une même organisation. Si le plan militaire, vous avez la Russie qui est un poids, qui est en train de prouver son poids et sa puissance militaire, nous en sommes témoins, qui fait partie aussi de cette organisation. Et on récupère l'Afrique du Sud, on récupère également le Brésil de Lula da Silva, qui est aussi un grand pays sur le plan superficie. Et vous voyez déjà, avec ces genres de montée en puissance de certains facteurs, notamment démographiques, économiques, militaires, ça prouve et écologique aussi pour le Brésil. Et la position stratégique de l'Afrique du Sud prouve à suffisance qu'il y a certainement des conditions. Parmi les conditions, je pense qu'il peut y avoir un montant, une amélioration des PIB par rapport à nos économies, par rapport à nos budgets. Et une fois que nous ayons la charte du fonctionnement de ces BRICS, nous pouvons encore approfondir nos analyses pour voir est-ce que la RDC est capable ou a tout, réuni toutes les conditions pour adhérer aux BRICS. Et ça nous favoriserait soit que ces débats passent au Parlement, télévisés avec toute la population, donner les avantages et les inconvénients d'adhérer dans cette organisation, et même beaucoup plus si les avantages et les intérêts sont réunis et préservés dans cette organisation. Moi, je trouve mieux, parce que ça fait plus d'un demi-siècle que nous faisons partie des organisations occidentales, mais les pays traînent toujours les pas sur la voie des développements. Merci beaucoup, Christophe. On sait que la RDC est en guerre. Aujourd'hui, on parle d'une guerre d'agression. Le Rwanda pointe du doigt. Est-ce que le fait que les ministres Lutundu là s'affichent aux côtés de ses homologues chinois, sud-africains, tous ces pays membres, est-ce que c'est un message fort lancé surtout à ces pays-là ou aux agresseurs? Non, on n'a pas question de lancer un message fort à qui que ce soit. Le Congo, c'est un pays indépendant qui doit mener des démarches avec l'Orient ou l'Occident. Donc nous sommes libres de nous rechercher des alliés. Bon, moi je pense que nous sommes en train de nous battre aussi contre l'impérialisme occidental. Et c'est de là que nous devons revenir. Certainement que nous avons des États fragiles en Afrique et tout, dans lesquels certains présidents ont été imposés, dans lesquels il y a toujours cette influence occidentale sur le fonctionnement de nos institutions, chercher des financements un peu partout. Et voilà, ça fragilise au fait notre souveraineté et notre indépendance, l'indépendance de nos États. Mais la démarche, elle est tout à fait normale. Donc la RDC peut se rapprocher de qui il veut s'il trouve nécessaire que ces pays-là peuvent apporter des solutions à ces problèmes. Les cas, par exemple, de la recherche ou de l'achat des matériels militaires ou des logistiques militaires, on peut en acheter là où nous trouvons mieux. Récemment, vous avez vu les ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, aller au nouveau en Indonésie et en Thaïlande, aller rechercher les types d'armes qui sont appropriées au fonctionnement des nos FARDC. Récemment, c'était le ministre de l'époque, Kabanda, effectivement, qui était parti en Russie. On a fait les commandes des matériels militaires en Turquie. Donc, vous trouvez que nous sommes libres de rechercher les matériels ou de nouer des relations avec qui nous voulons, qui effectivement rentre dans le cadre de la préservation de nos intérêts, de la défense de notre patrie face à toutes les difficultés que nous pouvons traverser, que ce soit sur les plans économiques, sur les plans environnementaux, sur les plans sécuritaires, sur les plans de fonctionnement de nos institutions et même sur les plans de coalition entre les pays ou d'adhésion dans un pays avec un pays dans le cadre des relations bilatérales. Nous sommes libres comme un État souverain de faire toutes nos démarches comme nous le voulons. Est-ce que pensez-vous que lorsque la RDC fait toutes ces démarches, ça fait réfléchir aussi aux agresseurs? Bon, absolument. Les agresseurs aussi ne dorment pas. Comme je l'ai toujours dit, dans toutes les guerres, il y a des alliés. Comme ceux qui nous agressent, ils ont des alliés, c'est de la même manière que les pays agressés aussi doivent rechercher des alliés. Et ici, moi, je suis en train de le dire à tous les Congolais et même à nos institutions. Ce n'est pas à force de plaire partout au monde que non, nous sommes agressés, le Rwanda et consorts, que l'agresseur va se décourager. Lui, il va continuer dans sa démarche. Parce que l'histoire du monde nous prouve que ce ne sont pas toujours des pays agressés ou des pays victimes qui gagnent des guerres.
C'est la guerre injuste qui a toujours été en avant. Et le monde est tellement silencieux. Il y a un œil impuissant et complice de cette communauté internationale face à toutes les guerres, à toutes les guerres injustes qui sont imposées. Les États-Unis ont attaqué l'Irak. C'était une guerre injuste. Le monde, on a crié que l'Irak, vraiment, était un État qui est victime d'une certaine diabolisation des médias occidentaux. Parce qu'on disait qu'on est en train de garder les terroristes. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces terroristes recherchés par le président Bush à l'époque n'ont jamais été retrouvés. On s'est battu contre la dictature de M. Muammar Kadhafi. Un peuple souverain que vous retrouvez chez eux, les Libye qui ne fait même pas partie des pays de l'OTAN, mais qui se sont invités pour venir bombarder la Libye. Et aujourd'hui, bien que les Libyens ont crié haut et fort, donc ici la responsabilité revient aux Congolais. Nous devons prendre conscience, nous devons nous organiser pour que chaque citoyen devienne un acteur de paix et de la sécurité que nous sommes en train de rechercher. Même si on peut crier, le monde n'écoutera pas si on ne s'est pas encore rangé en ordre de bataille pour aller affronter l'ennemi là où il est, lui battre lui et ses alliés pour que nous puissions retrouver cette paix, cette sécurité que nous sommes en train de rechercher. Et ça, nous devons commencer à investir aujourd'hui. Investir dans nos institutions, investir dans les citoyens pour que chacun prenne conscience de la gravité et de la menace qui pèse sur la RDC, surtout que c'est un pays stratégiquement et potentiellement riche en sol et sous-sol où toutes les grandes puissances veulent venir s'inviter ici pour nous assujettir, nous maintenir dans un état de précarité pour que nous ne puissions jamais nous développer et songer à un changement profond de notre pays. Merci beaucoup Christophe. On finit par cette actualité chez nous. Des violents combats signalés depuis 10 heures du matin, c'est jeudi 8 juin, dans plusieurs secteurs du groupement Tongo. Là, nous sommes en territoire de Rutshuru. Des sources locales affirment que ces affrontements opposent les M23 et groupes d'autodéfense. Il n'y a jusque-là aucun bilan de ces combats. Bon, par rapport à cette actualité, nous savons que l'ennemi ne dort pas. Il développe chaque jour des stratégies pour faire un assaut sur Goma. Oui. Et nous sommes en train de veiller et d'alerter à tout moment pour que nos services de sécurité soient mis à pied d'œuvre. Le ministre de la Défense, il n'y a pas si longtemps, il a été mis en fonction. Et nous pensons qu'il est en train de développer une nouvelle politique sécuritaire pour que nous puissions nous débarrasser une fois pour toutes de cette guerre. Et nous ne devons pas seulement réformer notre armée et tailler sur base de cette guerre ici. Nous savons qu'il y a toutes les velléités expansionnistes des pays occidentaux de vouloir balkaniser la RDC. Et nous devons nous préparer à ces grands combats-là. Les Rwanda, les M23, ce sont juste des pays qui sont utilisés, mais nous savons ce qui se cache derrière. Et c'est de là que les Congolais doivent se préparer. Merci parce beaucoup, que Christophe. Cette guerre, je suis sûr et certain qu'elle va finir il n'y a pas si longtemps, mais nous devons nous préparer pour des grandes guerres. Et les Congos doivent sortir vainqueurs. Merci beaucoup. On va se quitter par votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. Je suis au plus 243 9 98 33 58 60. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes militant des Filimbi. Absolument. C'est ça. Le mouvement Filimbi. Les Filimbi, on le voit plus sur Terre. Dans le mouvement Filimbi, on est passé par une transition où les anciennes responsables de la coordination nationale ont été remplacés et c'est nous qui sommes aux commandes. On est en train d'assurer cette transition, vouloir redynamiser. Dans la politique. Chacun est libre de faire maintenant ses propres activités, s'ils vont faire la politique ou la vie professionnelle. Chacun a ses choix, il a ses préférences, il a sa vision. Et nous, ce n'est pas au mouvement de les orienter là où ils doivent partir. Il n'y a pas des ailes, soit elle, telle. Jamais. Filimbi, il reste un indivisible. Le Filimbi que vous êtes, c'est pour. Non, c'est le seul Filimbi qu'il y a. Il n'y a qu'un seul mouvement Filimbi qui existe. Non, il n'y a pas d'elle. C'est le seul mouvement que nous avons, qui a été créé depuis 2015 et qui évolue aujourd'hui avec une nouvelle coordination qui est dirigée aujourd'hui par le coordonnateur Mino Bopomi. Et moi, je suis déchargé. Anzulouni, il est déjà un ancien militant. Il ne fait plus partie de l'équipe. Il est devenu un membre sympathisant. Il a ses propres choix. Il est aujourd'hui seulement un acteur de la société civile. Et voilà. Et Carbone. Carbone également n'est plus les chargés des réseaux. C'est moi qui ai pris la charge des réseaux au niveau national. Proche du
Jamais Filimbi ne sera un mouvement partisan. D'accord. Nous sommes la politique. Merci beaucoup. Je voudrais bien qu'on annonce un sujet, si jamais ça vous va. Ouais. Je voudrais bien qu'on parle un peu de cette question-là des FDLR. Nous voulons qu'on puisse comprendre, que les gens, que les Congolais comprennent c'est quoi les FDLR. On va y revenir. Parce que ça fait longtemps, on parle des FDLR. Aujourd'hui, les Rwandais prennent cette question comme... un bouc émissaire. À Libye, tout ça, voilà, ils disent non, on doit aller au Congo, traquer les FDLR. Est-ce que les FDLR sont toujours là? Qui sont ces gens-là? Est-ce qu'il constitue encore une menace pour le Rwanda? Est-ce que c'est le Congo aujourd'hui qui paye les pots cassés? Tout ça, je voudrais qu'on revienne sur ça demain, si jamais vous aurez un moment. Absolument, j'essaierai là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ne ratez pas ce sujet, on en parlera en exclusivité en direct sur Congo Live. Merci, bye bye. Merci.